Hercule et deux frères, les deux frères plombiers. Héros, pas héros dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Ça fait trois jours et il faut reconnaître que la malchance s'est acharnée sur nous. Dire que cet orbe avait fait le lutin le plus heureux du royaume. Mais maintenant, nous avons affaire à cet infâme couple. Oh, c'est pas la peine de te désespérer. Comme ça, petit lutin, nous allons régler le compte de Koopa tout de suite. Tu en es sûr? Mais bien sûr. Mais après déjeuner, parce que j'ai une petite faim, moi. Il veut toujours manger, lui. Ce sera ton dernier repas, parce que je vais prévenir le vilain Koopa. Quoi? Ces lamentables plombiers sont encore là? Mais tout à fait, votre ignominieuse présence. Ils sont là, ils sont décidés à intervenir. Dans ce cas, nous allons leur organiser une belle petite réception. Oh oui. Tiens, Mario. Je crois que ça devrait te caler l'estomac. Ah ben, je suis au paradis des pâtes. Oh. 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 Bah, j'espère que la nourriture est meilleure que le mobilier. Oh, et c'est ce qu'on appelle un service rapide. Ah, je vais quand même pas me décourager pour si peu, non? Attention! Oh, oh, oh. Arrêtez, arrêtez! C'est moi qui suis responsable de tout ce qui se passe. Je suis un minable. C'est peut-être ça que tu cherches, adorateur de macaroni. Ne restez pas planté comme ça, misérable demi-portion. Passez à l'attaque, voyons! Le déjeuner est servi! Et vous, vous allez payer l'addition! Attention, Mario! Ça m'a donné de l'ambiance à la réception, ça. Je vous aide. Jouer ailleurs, non? Oulalalalala, voici le final avec toute la troupe. On va en retraite et on se regroupe. Et faut de passer au garçon. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Faites quelque chose. Cette fois, ça a été juste. Et je crois que j'ai jamais, mais jamais, jamais, jamais eu autant de malchance. Tout ça, c'est ma faute. Je vous l'avais bien dit. Sans mes pièces d'or, je ne vois absolument rien. Allez. La preuve, je suis une vraie catastrophe. C'est la malédiction coupasienne. Vous êtes mon dernier espoir. Non. Ne vous inquiétez pas, c'est seulement une averse. Et quand elle s'arrêtera, je suis certaine qu'il y aura un très joli arc-en-ciel. Il n'y aura pas de joli arc-en-ciel, princesse, parce que la pluie ne s'arrêtera pas à cause de ma malchance. Mais non. Tout le royaume va être complètement recouvert d'eau. Oh non, ne pleure pas. Nous allons retrouver toutes tes pièces d'or, c'est promis. C'est vrai qu'on va... Mais oui. C'est le donjon du château de Koopa. Et c'est là-bas que Koopa garde mes pièces d'or. Il faut essayer d'entrer par une porte de derrière. Murphy, il vaut mieux que tu restes ici, toi. J'en étais sûr. Vous ne voulez pas que je traîne dans vos jambes. Mais voyons, il faut bien que quelqu'un reste ici pour le passage secret. Mais toi, Murphy, tu as la taille parfaite pour remplir ce rôle. Je préfère qu'il
sois pas là où je suis, moi. Ça tombe bien. Si on touche alors, on déclenche la cloche. Et la cloche va ameuter tous les gardes. Inutile de nous faire un dessin, on a compris. Il faudrait peut-être imaginer un plan astucieux. J'ai trouvé. Ça règle l'histoire de la cloche, Stoffel. Ah oh, oh non, alors ça. Ah bah si, t'as tout fait tomber, hein. Pourquoi ils mettent tellement de temps? Ils doivent avoir des problèmes. Il faut que j'aille les aider. Ah, qu'est-ce que... Ouf, qu'est-ce que... Voilà, c'est le début des problèmes. Ah, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Murphy est toujours aussi efficace. Allez, venez vite. Il ne faut pas rester ici. Trop tard, princesse. J'espère que vous appréciez votre petite chambre, parce que vous allez y rester éternellement. Ah oui, éternellement. Mais vous ne pourrez jamais nous vaincre, reptile répugnant. Mario va trouver une solution, j'en suis sûre. Ne rêvons pas. Ton avaleur de macaroni n'est pas capable de trouver quoi que ce soit. Et maintenant, il va moisir dans un cachot. Je me demande à quelle heure on mange, moi. Moi, je voudrais plutôt savoir si on va manger un jour. Gardien, à quelle heure qu'on mange chez vous? Ils ne t'ont pas entendu? Eh oui, avec ma malchance, il y a des chances pour qu'ils ne nous entendent jamais. Bon. Eh bien, ils vont l'entendre. Il va faire écrouler tout le château. Il va surtout me donner une de ses migraines. Ah, c'est génial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ce royaume? Tu veux me le dire, toi? On a réussi. Maintenant, il faut sauver la princesse. Il faut récupérer aussi mes pièces d'or, hein. Il faut trouver le moyen d'arrêter cette pluie avant que le village soit inondé. Mario s'est échappé et ce déboucheur dévié sait où est caché l'or. Il vaut mieux que je le cache ailleurs. Attention! S'il arrive quoi que ce soit à la princesse, je te jure que je te transforme en gruyère moisie. J'ai tout à fait compris, aux laideurs d'entre les laideurs. Ces pauvres plombiers ne pourront jamais passer si je monte la garde. Hola. Et qu'est-ce que tu dirais de faire une coucourse? À la coucourse. Ça a marché. Ah, cette souris court peut-être vite, mais elle réfléchit très lentement. Tu restes ici pendant que je vole au secours de la princesse. Dépêche-toi, Mario. J'ai tout ce qu'il faut pour couper ces chaînes sans problème, princesse. Et voilà. Ah, elle est bien solide, cette chaîne. Pourvu que Luigi puisse retenir les coups pas suffisamment longtemps avant que... Que ça peut être frustrant de jamais les attraper. J'espère qu'on ne va pas trop vite pour toi. La coucourse, la coucourse. Hop, aïe, ça fait mal.
Pas maintenant. Pas maintenant quoi? La fête est finie. Et la coucoute, c'est fini. Bravo, Mario, tu as réussi. Eh bien, il faut récupérer les pièces d'or avant le retour de coupe. Trop tard. Je suis là. La malchance continue. Oui, et cette fois, c'est ta faute. Vous aurez tout le temps de vous disputer entre vous, rassurez-vous. Vous aurez même toute la vie. Je savais bien que la chance allait me sourire aujourd'hui. Elle ne va pas te sourire longtemps, reptile répugnant. La preuve, regarde par la tête, espèce de... Si tu ne rends pas son or à Murphy, tout ton royaume sera inondé. Voilà. Et alors, regarde donc par là. Je charge l'or sur mon bateau et je m'en vais. Vous voyez, il se trouve que moi, je pense à tout. Mes amis, je crois qu'il faut se faire une raison. On ne peut rien faire pour nous opposer à ma malchance. Nous opposer à ta malchance? Mais oui, c'est là où on fait une erreur. Murphy, le moyen de vaincre Koopa, ce n'est pas d'être son ennemi, mais de devenir son meilleur ami. Mon vieux copain Koopa, mon meilleur copain Koopa. Oh non, et lâche-moi, mais va-t'en. Koopa, mon cher Koopa. T'approche près de moi. Garde ta malchance pour toi, non. Tant que tu resteras ici, mon pauvre Koopa, Murphy sera ton meilleur copain. Mais ça ne vaut pas la peine. Allez, garde-les, tes pièces d'or. Garde-le, ton royaume. Ne t'approche pas de moi, par pitié. Ah, non. Mes pièces d'or. Regardez, qu'est-ce que je vous disais? Un arc-en-ciel. Maintenant que j'ai retrouvé mes pièces d'or, mon royaume est sauvé définitivement. J'ai retrouvé ma chance ancestrale. Ah, mais quelle chance. Il ne peut plus rien nous arriver, plus rien. Oh, petit robot garçon, quelle chance. Je suis tombé sur le déjeuner. Chez les plombiers, quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Super Mario Bros. Yodi yodi, yodi yodi. Ils vivent entourés par des créatures étranges et loufoques, autant que Buffy. Mais quand ils sont emportés par les eaux, c'est l'aventure. Ils sauvent des princesses, les Super Mario Bros. Les Super Mario Bros. Yo, bros! Yo, bros.